Tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, et j'ai l'impression d'être enrhumé. Oh non, je suis malade. Là, en ce moment, vous avez en face de vous un Moketo malade, et comme j'ai rien à foutre quand je suis malade, bah, j'ai décidé de vous montrer une petite analyse pour moi ce que c'est d'être malade. Déjà, ce qui fait chier quand t'es malade, quand t'es enrhumé par exemple, c'est que t'as cette déformation de voix qui fait que tu parles avec le nez, ce qui fait que tout le monde peut savoir que t'es malade. C'est limite si t'avais écrit je suis malade. Le truc qui est chiant aussi quand t'es malade, c'est que pour guérir, t'es obligé de prendre des médicaments mais complètement dégueulasses quoi. Tu sais, les physiciens, ils cherchent pendant des siècles et des siècles, des heures dans leur laboratoire pour mettre au point des médicaments super qui vont nous soigner, c'est incroyable, ils ont réussi à faire ça. Mais les mecs, ils sont pas fichus d'améliorer le goût, quoi. Nous avons réussi, messieurs. Nous avons réussi à créer le médicament qui stoppera la diarrhée immédiatement. Mais, docteur Shepard, le médicament à prendre est à goût d'épinard ainsi que de poulet rôti. Vous croyez vraiment que le malade va accepter de prendre ça? Bon, écoutez, vous avez vu l'heure, je suis désolé, mais moi j'ai ma femme à aller chercher, donc oh, ils se démerderont. Et puis quand t'es malade, forcément, t'as aucune force, t'es là, t'es comme un zombie, t'es en mode Gabriel avec une crampe, quoi. Et n'importe quel geste, ça te demande une énergie incroyable. Tu sais, t'as envie de prendre ton portable pour voir quelle heure il est. Et bien même ça, ça te demande un effort psychologique et physique incroyable. T'as l'impression de faire le tour du monde. Et le plus kiffant quand t'es malade, c'est que même l'action de rien faire t'épuise. Ah non, arrêtez. Et puis ce qui est amusant quand t'es malade, c'est que t'as l'impression d'avoir tous les malheurs du monde sur toi. Tu sais, il existe des putains de maladies super graves qu'ont des gens chaque jour qui sont incroyablement horribles. Toi, t'as un rhume et t'as l'impression d'être malade comme tel, quoi. Mec, faut te calmer, hein. Un rhume, ça a jamais tué quelqu'un. Vas-y, pars, laisse-moi crever, je m'en sortirai. Je vais peut-être mourir, mais c'est pas grave. Je dois affronter ce rhume. Pars, ne te retourne pas, je saurai me débrouiller, j'ai des mouchoirs. Oh. Puis ce qui me fait marrer, c'est que quand tes parents ils prennent ta température, ils ont l'air super étonnés quand ils voient 39, genre... catastrophe naturelle, quoi. Alors, combien tu as, Moketo? 39. Mais hein, normal d'avoir 39 quand t'es malade. Bon, d'accord, tu te sens pas très bien et t'as chaud, mais c'est normal quand même. Et puis quand t'es malade, tu sais pas ce que tu veux, t'es tout... Tu sais pas ce que t'as envie de faire, t'arrives pas à t'exprimer... Wesh Moketo, tu viens, on va serrer une partie de Will. Hein? Ouais, je veux bien. Non, j'ai pas envie, j'ai pas de force. Ouais, ça va me faire du bien, ouais. Non, faut que je me repose. Ouais, ça va être marrant, ouais. Non. Non, faut que j'aille manger de la glace à Gendas. Non, faut que j'aille prendre mes médicaments. Bah, vas-y, je te rejoins. Non, je te rejoins pas. Non. Ok, bon, bah... à plus tard. Et puis quand vous êtes enrhumé, c'est un truc de taré, le nombre de mouchoirs que vous utilisez. Ça fait limite peur. Bon, moi je vais peut-être arrêter cette vidéo parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Ah oui, c'est vrai, Moketo, c'est un blaireau, il fait une vidéo alors qu'il est malade. C'est bien, hein. Mais au lieu de vous moquer de moi, faut peut-être rejoindre la page Facebook du Moketo plutôt, hein. Ça peut être plus audacieux, hein. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Tchou!